Salut, moi c'est Ben. Aujourd'hui ensemble, nous allons cuisiner la viande de loup marin, donc du phoque du Groenland. Nous avons l'adulte et le jeune. Une viande beaucoup plus pâle, un goût gibier moins prononcé. Nous avons l'adulte, beaucoup plus dark, une viande plus riche en fer. Donc pour les amateurs de viande de gibier, c'est magnifique. Voilà, on va commencer. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une viande très maigre, il n'y a aucun gras là-dedans. Donc un minimum de cuisson est recommandé, sinon la viande va sécher. Donc simplement assaisonner légèrement. La viande est iodée à la base, donc un minimum de sel. On va ajouter un peu de poivre. Voilà, simple assaisonnement, on va cuisiner ça maintenant. Donc pour la cuisson, je vous conseille une poêle très très chaude. On va ajouter un filet d'huile d'olive. Donc dans une huile fumante, on veut juste saisir la viande. On y dépose le filet. On recherche une belle caramélisation. On va ajouter la noisette de beurre. On peut ajouter une branche de sel. On va parfumer le beurre. On va ajouter une gousse d'ail. Après un petit 2 minutes de chaque côté, bien arrosé, la viande est prête. On veut une cuisson saignante, on ne veut pas dessécher la viande. Alors voilà, quand la viande est cuite, on va la laisser reposer afin que le sang se répartisse dans toute la viande. Si vous coupez maintenant, vous allez perdre tout le sang en fait. Donc on a cuit la viande 2 minutes de chaque côté. Ce qui est très important, c'est de la laisser reposer. Ouais, c'est mieux ça. Et maintenant, on goûte. Ha ha ha.